Merci d'être avec nous. On va parler de vos projets, de la compétition à gauche, de vous aussi, de votre portrait. D'abord, l'ambiance de campagne, est-ce que c'est encore plus dur que ce que vous avez prévu ? Je pense que c'est une campagne étrange dans un contexte de grande violence verbale, grande difficulté à poser les sujets de campagne avec des emballements. On a eu toute une période là où on m'expliquait à longueur de plateau que, en fait, je ne parlais pas des vrais sujets des gens. En fait, je parlais déjà de pouvoir d'achat, d'école, de santé, mais on me disait que ce n'était pas ça les vrais sujets. On va parler, pardon, ici, effectivement, oui, des fonctionnaires, par exemple, de pouvoir d'achat, de ce que vous nommez les vrais sujets. Mais sur la dureté de la campagne, les épreuves, elles sont là. Il y a eu des sondages qui bougent peu. Il y a la candidature de Christiane Taubira qui est apparue comme ça il y a quelques temps. Comment est-ce que vous tenez face à des circonstances contraires ? Moi, je pense surtout aux Françaises et aux Français. Ma situation, elle résulte d'un choix. Elle résulte d'un choix politique, d'un engagement. Je suis une femme aguerrie. Au combat politique, c'est pas ma première élection, certes présidentielle, mais j'ai mené deux élections sur mon nom à Paris que j'ai gagnées, l'une en 2014 et l'autre en 2020. Il n'y a pas eu, pardon, de moment de déprime. C'est vrai que quand on vous envoie, pardon, mais la candidature de Christiane Taubira en face, il y a vraiment un côté frontal quasiment. Vous savez, c'est très dur la politique, mais c'est pas plus dur que la vie des Françaises et des Français. Et je reviens là-dessus, moi c'est un choix que je fais. C'est vrai que ce qui est dur, je trouve, c'est ce que nous disent les Françaises et les Français. Ils nous disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel les gens, y compris à la télé, les politiques entre eux, s'engueulent, se parlent mal, il y a une haine, pardon, on parlera tout à l'heure des attaques contre vous, elles sont parfois très violentes, contre vous et les autres politiques, mais il y a une haine, d'après vous, dans le pays qui remonte jusqu'à la politique ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Moi, je ne ressens pas de haine. Bon, les réseaux sociaux, c'est autre chose. C'est un monde qui n'est pas tout à fait le vrai monde, où les gens se cachent et se permettent des choses qu'ils ne se permettraient peut-être pas dans la vraie vie. Je ne ressens pas de haine. Je ressens beaucoup, et j'aime cette campagne, dans cette rencontre directe avec les Françaises et les Français. Et en revanche, je sens chez eux beaucoup d'inquiétude. Et il y a des raisons d'être inquiet quand on voit... quand même, cette forme de violence, d'hystérie un peu, qui s'empare du pays, qui fait que on est, sans être déjà dans l'élection présidentielle, parce qu'il y a le Covid en plus, il y a toute cette inquiétude sur l'avenir, comment on va s'en sortir, comment vont s'en sortir nos enfants. Il y a la crise climatique, il y a cette crise. On va parler de ces aspects. Je reste un instant sur le climat général. Vous connaissez le mot Churchill, si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Oui, voilà. C'est vrai. Il y a quelque chose de ça. Ne jamais s'arrêter. Mais bon, j'ai connu aussi des périodes de combat très difficiles, en 2014 et ensuite en 2020. Les modèles, pardon, de ténacité dans le passé, qui sont-ils ? Il y a des modèles où vous dites, voilà, lui, il a affronté ça ou elle a affronté ça. Un de mes modèles, c'est quand même Barack Obama. Je trouve que j'ai lu son livre, son histoire. Il a cru en sa chance, il a porté ses idées, il n'a jamais transigé, il a toujours réussi à garder une certaine hauteur de vue, il n'est jamais tombé dans cette espèce d'attitude haineuse, violente, populiste. Pour moi, c'est quand même une figure très, très inspirante. Parce plus près de nous. Qu'est-ce qu'il s'en est pris dans la figure aussi Jacques Chirac. Jacques Chirac, oui, 95. Il dit, voilà, il y a cette fameuse question d'Arlette Chabot. Oui. On vous la pose maintenant, évidemment, rituellement. Est-ce que vous irez jusqu'au bout? Et Chirac, il partait de bas. Oui. Ça vous encourage? Bah, oui, parce que la politique, c'est ça. D'abord, c'est une aventure qui, certes, dans certains cas, se fait dans des contextes plus faciles, plus favorables.
Là, en ce qui nous concerne, le pays ne va pas bien, la gauche en particulier ne va pas bien, le monde politique ne va pas bien. Cette élection, d'aucuns essayent quand même de dépolitiser complètement le sujet, comme si la politique n'était pas quelque chose qui pouvait être utile. Donc voilà, moi j'essaye parce que ce sont mes convictions, c'est ma façon de m'engager. J'aurais pu faire autre chose de ma vie, mais j'ai décidé de m'engager et d'apporter. Tout à l'heure, vous savez, j'étais au salon de la gastronomie des Outre-mer, à la porte de Versailles. Je vous invite tous à y aller parce que c'est génial. C'est Babette de Rosière qui fait ça et c'est génial. C'était la page de pub. Mais un monsieur est venu me voir et il m'a dit à l'oreille, il est venu, il m'a dit, vous savez, on est nombreux derrière vous. Surtout, ne lâchez rien. Surtout, ne nous abandonnez pas parce que si vous craquez, en fait, c'est nous qui allons craquer. Ben, vous voyez, moi, j'entends beaucoup ces gens qui me disent ces choses-là. Je vois hier à l'hôpital de Laval des soignants, des femmes et des hommes qui sont là, qui sont très inquiets, qui parlent de leur vie, qui ont envie vraiment qu'on leur donne de l'espoir. Et en même temps, ils sont inquiets parce que le politique aussi les a déçus par le passé. Mais ils Anne savent Hidalgo, que sans le politique, il n'y a pas de solution possible. Le test, un test un peu bizarre et quelque chose d'ubuesque, c'est ce week-end, cette primaire populaire avec des candidates ou candidats qui y sont sans le demander. C'est votre cas. Vous y êtes au fond contre votre gré. D'autres qui n'y sont pas, qui auraient pu y être. Ouais. Je pense à Fabien Roussel. Est-ce que pour vous, ça a un sens, cette primaire, ou est-ce que par avance, vous jugez qu'elle n'a aucun sens? C'est un exercice de consultation citoyenne qui était plutôt bien parti, qui dérive un peu, parce que j'ai été très choquée quand même de ce qu'un des organisateurs de cette primaire a dit, qu'il fallait absolument aller empêcher Hidalgo, Mélenchon et Jadot d'avoir leur parrainage, de les faire baisser dans les sondages, que c'était ça l'enjeu. Franchement, l'enjeu pour le pays... Ils sont mal disposés à votre égard, d'après vous? Il y a une forme d'hostilité? Non, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sans doute se sont inscrits et qui peut-être aussi diront des choses sympathiques à mon égard. Après, si dans le... Puisque le résultat, c'est très bien, moins bien, ou pour mieux faire, ou pas bien du tout. Bah, s'il faut s'améliorer, je m'améliorerai. Mais pour autant... C'est plus que ça, pardon. Ce sont des ralliements éventuels. Écoutez, et vous réagirez. Écoutez, Christiane Taubira, il y a quelques instants, elle s'exprimait à ce sujet. Je finis juste ma phrase. Je m'améliorerai s'il le faut, mais vous savez, je serai candidate. Oui, dans tous les cas. Je serai candidate dans tous les cas, comme le seront certainement Mélenchon et Jadot. Donc, ça sera une candidature de plus. Qu'on soit bien clair, donc, puisque vous dites, vous y arrivez de vous-même, quel que soit le score, même s'il est... Oui, absolument, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Même si c'est un tout petit score, même si vous êtes de loin distancé, vous serez... Ce n'est pas un score d'élection, c'est une consultation par Internet, pour des gens qui se sont inscrits par Internet, et ça sera intéressant à regarder. Mais je serai candidate, et ça peut être une candidature de plus si Christiane Taubira, ce qui semble être à peu près prévu, obtient le résultat. C'est écrit d'avance, voulez-vous dire? Je pense que c'est un petit peu écrit d'avance. C'est pipé. Je ne suis pas la seule à le dire. C'est pipé, les jeux sont pipés. Non, pas pipé, mais je pense quand on dit écrit d'avance, oui. C'est un peu écrit d'avance, mais bon. Écoutez-la, Christiane Taubira. Quelle que soit la personne qui en sort, oui, moi, je rejoindrai parce que j'ai accepté ce défi de l'Union. Je rejoindrai cette personne. À charge pour elle, évidemment, de créer les conditions de l'union. Et ça, même si c'est une des personnes qui, elle, ne reconnaît pas ce processus. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire Anne Hidalgo, c'est-à-dire Yannick Jadot. Si elle ne reconnaît pas le processus, on n'est pas dans le même cas de figure, mais nous verrons tranquillement dimanche. Donc vous ne soutiendrez que la personne qui arrive en tête si elle reconnaît le processus. Enfin, ça me paraît couler de source, ça me paraît tomber sous le sens. Ah, décryptage à votre sens. Y en a une qui reconnaît le processus, c'est elle. Vous dites, elle se lance des fleurs elle-même. Voilà, donc elle se ralliera à elle-même. Certains disent que c'est une icône, Christiane Taubira. Elle joue beaucoup sur cet aspect-là, dans une partie de l'électorat de gauche. Elle a tout, effectivement, de l'icône. Moi, je ne vais pas commenter les candidatures des uns et des autres. Vous savez, une élection présidentielle, c'est un moment sérieux. C'est un moment de rencontre avec les Françaises et les Français. C'est aussi à partir de propositions et d'un projet. J'ai fait ce travail-là, pas toute seule. Je me suis entourée pour faire des propositions. Ces propositions sont sur la table, donc ça sera projet contre projet.
Un mot encore avant ces propositions, c'est l'actualité immédiate. Alors il se trouve qu'elle est à l'autre bout du spectre politique. C'est aussi une forme de primaire, si on veut. Marion Maréchal-Le Pen qui amorce son ralliement à Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, du pays ? Une élection qui se joue à ce point-là à droite, c'est pas simplement parce que ça crée la curiosité. Les sondages montrent que ce sont de grands bataillons. Moi, je me dis qu'on va en avoir pour combien de jours de la telenovela, de la saga de la famille Le Pen. C'est pas très intéressant. Écoutez, franchement, je pense que notre pays ne va pas bien, que ces extrêmes qui se battent entre eux sur fond de conflit familial. Vous soulignez, je me permets de vous interrompre. Les uns comme les autres, pardon, je termine, les uns comme les autres mèneraient le pays au chaos total. Donc je les combattrais, comme j'ai toujours combattu l'extrême droite dans notre pays. C'est un cas en Europe occidentale, un grand parti, parce que c'est un très grand parti quand même qui a été au second tour, qui aujourd'hui fait quand même un score très important, je parle de Marine Le Pen, qui est aussi une histoire familiale, le grand-père, la tante, la nièce. Ça ne m'intéresse pas, vous savez, mais sur la réalité politique de ce pays. Moi, ce que je regarde, c'est la réalité politique de leurs propositions, qui sont des propositions d'extrême droite, qui n'apporteraient aucune solution pour sortir notre pays des difficultés qu'il connaît, qu'il n'apporte aucune réponse aux défis de ce siècle. Au contraire, il ne ferait qu'aggraver. Je vois beaucoup de gens qui, peut-être, se disent « tous les autres politiques nous ont abandonnés, alors il faut essayer ça parce que c'est le coup de pied dans la fourmilière et puis c'est à la limite le chaos, pourquoi pas ?» Non, je dis attention. Derrière cette famille-là, Le Pen, qui est quand même une famille qui n'a pas grand-chose à voir ni avec les catégories populaires, ni avec la classe moyenne, hein, qui défend des intérêts bien sentis, mais qui a construit une rhétorique, un discours qui a peut-être pu être entendu par un certain nombre de personnes qui se sont senties abandonnées. Je leur dis, regardez dans les propositions que je porte, dans les propositions qui vous sont faites, ce sont des propositions qui vous sont adressées pour améliorer votre situation sur les questions de salaire, sur les questions de services publics, sur les questions d'éducation de nos enfants. Et je pense que notre pays, qui est un grand pays, doit se réunir, doit se rassembler plutôt que de se diviser encore plus autour notamment de la question de l'avenir de notre jeunesse. Dans ce face-à-face avec l'extrême droite ou avec les nationalistes, on voit bien que la gauche hésite souvent dans le côté frontal en matière de migration, par exemple, très peu revendique vraiment la contre-attaque absolue. Jean-Luc Mélenchon dit, il assume complètement, lui, il dit créolisation, c'est bien. Métissage, créolisation, vous le pensez aussi ? Je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur sa façon de voir notre société. Je suis extrêmement choquée aussi par la violence des mots qu'il utilise. Je ne suis pas d'accord avec cette image qu'il donne de quelqu'un qui était quand même un militant socialiste et qui devait beaucoup au Parti socialiste. Vous dites, quand il dit violence, vous faites allusion à lequel de ses propos en particulier ? Les propos, je pense, quand il parle des policiers, pense cette scène quand on le voyait s'adresser notamment lors de la perquisition à son domicile à un officier de police judiciaire. Tout ça n'est pas digne. On est dans un pays où celles et ceux qui aspirent à la fonction suprême doivent aussi respecter les institutions, respecter l'état de droit. Ces récents propos sur les policiers ou ceux que vous rappelez sont très choquants. Ça participe de la violence dont vous parliez au début. Oui, parce que vous savez, je pense qu'on a besoin d'apaiser ce pays. Et apaiser ce pays, c'est reconnaître vraiment l'état de droit, c'est reconnaître aussi la force de nos institutions républicaines, même s'il faut les faire évoluer, même s'il faut que notre République soit beaucoup plus en rapport avec sa promesse, que l'égalité républicaine, ça existe vraiment, et j'ai des propositions concrètes pour cela. Donc Jean-Luc Mélenchon n'est vraiment pas mon modèle. Et je pense que ce qu'il dit, ce qu'il prône, est quelque chose aussi qui est dangereux pour notre pays et pour le débat politique. Vous savez, ce show télévisé hier face à Éric Zemmour, c'est ça la politique. C'est ça qu'on veut présenter comme de la politique dans cette élection présidentielle qui est majeure. En 2022, dans notre pays, c'est ça
l'image de la politique, écoutez, moi, je m'en éloigne. Donc, est-ce que vous estimez, pardon, que Éric Zemmour sur... et Jean-Luc Mélenchon s'entraident d'une certaine manière? Mais bien sûr, l'un l'autre, et on avait vu d'ailleurs leur forme de complaisance dans un premier débat qu'ils avaient eu l'un l'autre. Pour moi, vraiment, c'est le pire de ce qu'on peut faire en politique, le pire de ce que l'on peut présenter en politique en 2022, à un moment où notre pays est un pays qui doute, un pays dans lequel beaucoup de nos concitoyens s'interrogent sur leur avenir, se demandent tous les jours comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à ce niveau de dégradation de l'école publique, à ce niveau de dégradation de l'hôpital public. Dans le rapport, pardon, si on reste un instant en rapport avec les étrangers, vous-même, vous êtes d'origine étrangère, on y reviendra quand on fait votre portrait à la fin. On se rappelle François Mitterrand qui régulièrement parlait du vote des étrangers à étendre. Après, il l'oubliait un peu après l'élection, mais c'est le jeu électoral. Est-ce que vous y êtes favorable, vous? Bien sûr, j'y suis favorable. Dans quelle ampleur? Alors, d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que l'immigration, elle doit évidemment être régulée, mais elle doit se faire dans le cadre d'un état de droit, d'un état humaniste, dans une vocation d'accueil. Et aujourd'hui, l'immigration qu'on nous présente comme un problème majeur n'est pas analysée dans sa dimension économique. Beaucoup de secteurs d'activité de notre pays, beaucoup de chefs d'entreprise, j'en ai rencontré dans le sud de la France, dans notamment les vignobles à proximité d'Avignon, qui me disaient on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, donc surtout il ne faut pas bloquer nos frontières parce qu'on a besoin de ces femmes et de ces hommes pour venir travailler. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration nous disent la même chose, surtout ne freinez pas, il y a un besoin d'une immigration économique, un pays ça doit vivre, on a besoin et on doit accueillir les réfugiés dignement. Ensuite, est-ce qu'il faut que nos procédures soient plus rapides, qu'on ne laisse pas des personnes qui viennent en situation finalement de non-droit, en situation de déshérence? Quand Valérie Pécresse a parlé de barbelés, est-ce que c'était une faute d'après vous, lors de son voyage en Grèce? Oui, elle court après Éric Zemmour. Elle n'est pas d'ailleurs dans la tradition d'une droite républicaine qui n'aborderait pas les choses de façon aussi caricaturale si elle restait sur le fond de ses valeurs républicaines. Anne Hidalgo. Et donc l'immigration, bien sûr qu'il faut une régulation, bien sûr que les femmes et les hommes qui se retournent contre nous et contre les valeurs de notre pays n'ont pas à y rester. Mais il faut vraiment aussi que l'on soit dans cet accueil. Et cet accueil, il est utile pour le pays. Et il faut bien sûr qu'on améliore l'intégration. L'intégration est un sujet majeur. On va parler de vos propositions sociales, économiques, cette ligne social-démocrate que vous revendiquez. Mais d'abord, l'État, le constat sur l'état du pays. Il y a ce chiffre qui est tombé. Aujourd'hui, la croissance en augmentation de 7% qui rattrape en partie, mais enfin c'est très haut quand même, les 8% de chute dû au Covid. Est-ce que objectivement, c'est pas un point gagné en l'état? L'endettement est un autre sujet, on va y venir, mais est-ce que c'est pas un point gagné par Emmanuel Macron? Je pense que cette croissance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit rien de la réduction des inégalités. Je me réjouis que notre pays affiche, par exemple, des taux de chômage qui diminuent ou un niveau de croissance qui puisse être important. Mais il faut regarder le détail de ces chiffres. Si cette croissance-là est une croissance qui va toujours vers les mêmes et qui creuse encore plus les inégalités, ce qui est le cas, puisqu'on l'a vu pendant cette crise Covid, en fait, les inégalités se sont encore aggravées. Et cependant, vous le dites vous-même, le chômage qui recule, est-ce qu'il n'y a pas de meilleure nouvelle sociale? Dieu sait si c'est une si ancienne promesse. C'est une bonne nouvelle. Le chômage qui recule, c'est toujours une très bonne nouvelle. Acquis social. Mais le chômage qui recule et qui ne permet pas d'aller vers moins de précarité, qui ne permet pas d'aller vers des travaux, des emplois plus qualifiés, qui ne permet pas d'aller vers des emplois qui garantissent un salaire digne, ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème de redistribution. Est-ce que ça ne montre pas aussi la résilience de l'économie libérale, de l'économie de marché? On l'a souvent enterré avant la crise du Covid. On disait, vous vous souvenez, le monde d'après, ça va être, tout va changer, etc. En 2008, lors de la crise financière, on disait le capitalisme est fichu, il a montré ses limites.
on voit que ça marche plutôt bien. La machine économique a bien supporté le choc. Parce que les États sont venus soutenir la machine économique, parce qu'on a décidé, en enfreignant, et tant mieux, toutes les règles de ce néolibéralisme qui nous explique à longueur de journée que tout va bien si on laisse le marché sans aucune régulation fonctionner. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé ? Heureusement qu'il y a eu cette position européenne. Heureusement que tous les pays européens ont été invités à se saisir d'un plan de relance qui a permis quoi ? Qui a permis d'utiliser, par exemple, massivement le chômage partiel. C'est-à-dire que ça a permis d'éviter que les entreprises ne s'effondrent, que les personnes qui n'avaient plus de travail à ce moment-là aient quand même un salaire. On a eu raison de s'endetter à ce point-là. Je crois qu'on arrive à 115% du PIB, c'est colossal. En l'occurrence, ce n'est pas un miracle du capitalisme, c'est un miracle justement de la social-démocratie et de l'État-providence, ce qui s'est passé là. Et donc, ça mérite quoi ? Ça mérite que cette croissance qui est affichée aujourd'hui fasse aussi l'objet d'une meilleure redistribution. Et ça, c'est très social-démocrate, vous voyez. Alors, c'est peut-être finalement, social-démocrate, là, est-ce que c'est pas... C'est parce qu'il y a eu des solutions social-démocrates. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde d'inconscience ? C'est, j'allais dire, la paille et la poutre, mais c'est la poutre et la poutre. Endettement de l'État, endettement de la ville de Paris, vous savez combien ça marque évidemment les esprits. Je crois qu'on est au-delà de 7 milliards aujourd'hui, c'est les chiffres du ministère de l'Économie. Quand on en arrive à ce point-là, je crois que ça fait presque 3 500 € par habitant à Paris. Est-ce qu'on ne vit pas sur un volcan ? D'abord, du côté de l'État, parce que les règles ne sont pas les mêmes pour les collectivités territoriales et pour l'État. Du côté de l'État, l'État français, qui est en effet très, très endetté, utilise cette dette, y compris pour payer les salaires des fonctionnaires. Mais pour moi, la question aujourd'hui de ce que nous devons faire en tant qu'État pour surmonter les crises que nous avons devant nous, c'est d'investir. Et l'investissement, ce n'est pas une dépense publique mauvaise. C'est pire de ne pas investir, par exemple, dans la transition écologique, quand on sait que si on laisse une dette écologique à nos enfants, ils ne pourront pas s'en relever, ils ne pourront pas vivre dans le monde d'après, dans leur monde à eux, si aujourd'hui nous n'investissons pas massivement, par exemple, sur les énergies renouvelables, sur les transports propres, etc. Mais avant d'en arriver là, vous parliez vous-même des fonctionnaires. Est-ce que vous maintenez, même sur cette base de si grand endettement, est-ce que vous êtes pour engager davantage de fonctionnaires ? Ça veut dire combien ? Je vais d'abord vous répondre aussi sur la ville de Paris. Les règles pour les collectivités territoriales sont différentes. On ne peut pas s'endetter pour payer son fonctionnement courant. On ne peut s'endetter que pour investir. Et qu'avons-nous fait ? Nous avons décidé, avec toute ma majorité, depuis 2014 et encore en 2020, d'investir fortement dans quoi ? Dans la transition écologique, dans aussi des mesures d'accompagnement des classes moyennes, des catégories populaires, et par exemple dans la construction de logements, qui figure comme un poste très très important du budget de la ville de Paris. Mais Anne Hidalgo, est-ce que ça veut dire que vous assumez cette logique d'endettement, est-ce que vous dites par exemple logique d'investissement. Et cet investissement-là, il est financé par quoi ? Il est financé par deux aspects, deux blocs. Un bloc d'autofinancement qui, jusqu'à la crise Covid, était beaucoup plus important, mais il a fallu aussi assumer des dépenses qui ne sont pas compensées par l'État. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième élément de ce financement, c'est effectivement l'emprunt. Et je pense qu'il aurait été de très, très mauvaise gestion de ne pas emprunter un peu sur les marchés au moment où l'argent était tellement peu cher qu'il nous permettait de faire ces investissements et ces transformations. Enfin, ensuite, il faut rembourser la dette et rembourser les intérêts de la dette et réemprunter à d'autres taux. Il faut bien sûr les rembourser, et, évidemment, et ça fait partie des choses sur lesquelles nous sommes évidemment engagés. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est qu'un pays, une ville, une commune qui ne peut pas s'adapter, qui ne peut pas investir pour, par exemple, aller vers cette nouvelle économie, vers ces nouveaux modes de transport plus propres, moins polluants, eh bien, finalement, c'est un État, c'est une ville, c'est une commune qui laisserait aux générations suivantes le soin de faire toutes ces transformations sans leur en laisser les moyens. Anne Hidalgo, moi, les fonctionnaires, très dynamique les fonctionnaires, parlons ça parce que c'est très précis, ce sont de vraies différences. Bien sûr. On a une Valérie Pécresse qui dit, elle a articulé le chiffre de 150 000 fonctionnaires en moins. Oui, j'attends toujours de savoir dans quel secteur en particulier. C'est irréel d'après vous ?
totalement irréel. En tous les cas, aujourd'hui, vous savez, quand on regarde l'état du pays, on s'aperçoit qu'il y a des grands services publics qui aident le pays à tenir et qui ne vont pas bien, qui ne vont pas bien du tout. L'hôpital, pas besoin de vous faire un dessin, parce que je crois que tout le monde s'en rend compte et tout le monde voit le désarroi des soignants et les difficultés que nous avons dans notre système de santé publique. L'école, c'est pareil. Vous prenez, par exemple, la justice, qui est aussi un grand service public. Il y a moins de monde, évidemment, dans ce ministère de la justice. Mais on voit bien qu'un grand ministère comme la justice, qui n'arrive plus à fonctionner parce qu'il n'y a pas assez de greffiers, parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, et que ça fait quoi? Ça retarde des procédures. Ça fait que beaucoup de Françaises et de Français pensent que finalement la justice n'est pas là pour eux parce qu'elle ne répond pas dans les délais. Eh bien, ces emplois-là sont des emplois de serviteurs de l'État. Alors, Anne Hidalgo, vous avez, on ne peut pas ici échelonner tous les chiffres, mais vous l'avez dit, la justice, les enseignants, vous précisez maintenant démarrer à 2300 euros pour un enseignant. Pour les professeurs des écoles, oui. Tout ça, est-ce que c'est chiffrable? Est-ce que votre programme, vous l'avez chiffré aujourd'hui? D'abord, je l'ai chiffré, bien sûr. À combien est-ce qu'il se monte? Eh bien, le programme, les mesures nouvelles, elles sont de l'ordre d'environ 50 milliards en tout. Et elles sont financées à hauteur de 50 milliards de recettes nouvelles. Pardon, Monsieur Blanquer, sur la simple question des enseignants, disait que doubler le salaire des enseignants, qui était votre première idée, équivalait à peu près à 150 milliards. Oui, parce que Monsieur Blanquer avait confondu le budget de l'éducation nationale dans son ensemble, qui doit être autour de 75 milliards, donc il avait fait x2, alors que je parlais de l'augmentation du salaire, notamment des professeurs des écoles. Donc vous voyez, Monsieur Blanquer, qui de temps en temps s'égare un peu, peut-être il ne prend pas assez de vacances, n'était pas tout à fait dans l'exercice qui était le sien. Mais si je peux me permettre, juste sur les fonctionnaires, parce que là on a vraiment un point très concret, parce que les chiffrages, tout le monde peut discuter. Combien de fonctionnaires en plus, d'après vous, serait nécessaire? Je ne vais pas vous répondre combien de fonctionnaires en plus. En revanche, ce que je vais vous dire, c'est que oui, j'investirai massivement dans ces services publics essentiels, que sont notamment l'éducation et la santé, parce qu'ils sont très dégradés, qu'il faut les réparer, et que malheureusement, ce que nous laisse comme bilan Emmanuel Macron et son gouvernement, ce sont des services publics encore plus dégradés. Et quand vous dites, est-ce qu'il y a les moyens... Pourquoi ne pas articuler, c'est pas clair, pardon, pourquoi ne pas articuler le nombre de fonctionnaires, parce que ça paraît étonnant. Je termine juste là-dessus. Et lorsqu'on me dit, mais tout ça, ça coûte cher. Oui, c'est vrai, l'éducation, ça coûte cher. Oui, oui, la santé, ça coûte cher. Essayez de ne pas faire une éducation à nos enfants. Essayez un système dans lequel la santé devient quelque chose qui est inabordable pour beaucoup de nos concitoyens. Vous croyez vraiment que ça ne va pas nous coûter beaucoup plus cher encore? Ça coûte très cher au pays, le fait de ne pas avoir investi dans ces secteurs-là. Mais vous ça dites coûte investissement. En quoi? Quelle est la frontière entre investissement et démagogie? Pardon, quand vous dites donner. Non, je vous pose la question. Je vous pose la question, vous pourrez répondre. Je vous pose la question. Pas vous, pas maintenant. Bah, je vais vous répondre. Mais je vous pose la question, vous répondez. Ouais. Prenons l'exemple du chèque de 5 000 euros pour les jeunes qui sont en situation de ne pas être aidés par ailleurs. Est-ce que le chômage diminuant n'est pas la meilleure réponse plutôt que de donner comme ça du cash? D'abord, le chômage des jeunes ne diminue pas vraiment. D'abord, les jeunes aujourd'hui sont dans une situation de très très grande précarité. Vous l'avez vu, vous ne pouvez pas dire cela. Vous voyez bien l'état du pays, même si on est ici sur un plateau un peu un bocal, loin des réalités. Vous les voyez, les réalités. Vous êtes dans la vie réelle. Vous êtes un journaliste qui est dans la vie réelle. Vous voyez bien cette souffrance sociale. Vous ne pouvez pas expliquer à longueur de journée ou nous dire à longueur de journée ça serait indigne d'augmenter ou de donner un cadeau. Mais donner de du cash, pardon, euros. Autant un investissement a un sens, autant beaucoup diront euros. Oui, ça c'est de la démagogie. Eh bien, non, ce n'est pas de la démagogie, c'est de la confiance dans notre jeunesse. C'est permettre à des jeunes avec 5 000 euros à l'âge de 18 ans de pouvoir décider par eux-mêmes à quoi ils veulent consacrer cet argent-là. Est-ce qu'ils ont envie, par exemple, de faire un voyage pour aller apprendre une langue dans un pays? Est-ce qu'ils ont envie de se regrouper à plusieurs pour monter une association? Et vous savez, moi, je suis très choquée quand on me pose ce type de questions et qu'on ne me la pose pas. Quand je dis, par exemple, quand Emmanuel Macron a supprimé une grande partie de l'impôt sur les grandes fortunes, est-ce qu'on lui a dit, mais quand même, est-ce que vous allez demander d'abord à ceux qui sont imposés aujourd'hui sur les grandes fortunes, à quoi ils vont
utiliser finalement cet argent supplémentaire qu'ils vont avoir. Personne ne pose la question. Et là, quand il s'agit de dire à un jeune, il peut avoir droit, il aura droit avec moi à 5 000 euros pour démarrer dans sa vie et porter un projet et je lui fais confiance, là on me dit que ça coûte cher. Quand on ça vous entend, pas cher de Anne supprimer Hidalgo. 4 milliards d'euros de recettes du budget de l'État quand c'était l'impôt sur les grandes fortunes. Et là, pour le coup, ça devient indécent ou alors démagogue de dire qu'on va donner à chaque jeune 5 000 euros à l'âge de 18 ans. Franchement, dans quel pays on est, quoi, quand on vous entend, est Anne Hidalgo, oui. Est-ce que la gauche a trop laissé ses fondamentaux populaires, démagogiques ou pas? La démagogie fait partie des campagnes électorales aussi. Est-ce que la gauche mais a trop peu lancé... Pourquoi vous parlez de démagogie? Est-ce que, alors, laissons de côté le mot démagogie, mais est-ce que jusqu'à présent, la gauche s'est un peu trop éloignée? C'est ce que dit un Fabien Roussel, par exemple, qui dit, à force de parler de questions autres que la défense des intérêts populaires, la gauche s'est un peu perdue. Est-ce que vous le pensez? Je pense que la gauche, quand elle a gouverné dans ce pays a apporté des grandes réformes, des grandes réformes sociales, des grandes réformes sociétales. Maintenant. Ça date quand même. En 2012, il y a eu des grandes réformes aussi qui ont été accomplies. C'est la gauche, c'est un gouvernement de gauche qui a fait en sorte qu'il y ait un accord sur le climat, un accord historique à Paris qui a été conclu en 2015. Bref, je pourrais prendre plein d'exemples. Mais surtout... Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un moment où la question des inégalités est devenue une question pas simplement économique, pas simplement sociale. C'est devenu aussi une question politique majeure parce que ces inégalités sont tellement flagrantes, les classes moyennes ont tellement décroché que ça devient un problème pour la stabilité de notre pays et de nos institutions. Est-ce que c'est une question d'image aussi? Je prenais l'exemple de Fabien Roussel. Ça paraît anecdotique, ça ne l'est pas du tout. La fameuse controverse sur la viande, ou sur la chasse. Un Fabien Roussel qui dit « moi, je suis pour la chasse ». Un Fabien Roussel qui dit, c'était sa formule, « un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c'est la gastronomie française ». Et ça provoque, dans une partie de la gauche, un tollé, comme s'il avait dit une sorte d'énormité. Je pense qu'il a raison. Il aime bien la bonne bouffe. Ah, vous le diriez aussi pareillement. Moi, j'aime bien manger. Mais après, chacun mange ce qu'il souhaite ou ce qu'il peut. Bien et sûr. Voilà. Mais pardon, mais cette nouvelle gauche, une partie d'une nouvelle gauche qui estime que le simple fait de dire « à Taureau a raison, moi j'aime bien la viande » sonne aujourd'hui comme quelque chose de... droitard, viandard, comment est-ce que vous l'écoutez? C'est sans intérêt, c'est totalement anecdotique. Vous savez, moi, je fais partie de cette gauche. Et pourtant, vous voyez à quel point ça a divisé. Oui, enfin, ça divise, et ça agite des trolls sur des réseaux sociaux. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux trolls, pardon, je m'intéresse plutôt aux Françaises et aux Français. Pas seulement, c'est beaucoup de gens de gauche, à visage découvert, de manière tout à fait sérieuse. Quand je me déplace dans le pays, personne ne me parle de ça, d'accord? Les gens me parlent de quoi? De leur difficulté à faire le plein d'essence, de leur difficulté quand ils doivent aider leurs enfants parce qu'ils n'y comprennent rien à Parcoursup et qu'ils sont autant inquiets que leurs enfants et de leur difficulté à aller se faire soigner à l'hôpital. Donc voilà, que la gauche reparle de ces sujets-là, que je reparle de ces sujets-là, parce qu'évidemment, aujourd'hui, la question centrale, c'est celle des inégalités. Et que ces inégalités sociales, non seulement, si on ne les traite pas aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire la transition écologique. Or, elle est indispensable, cette transition écologique. Et je le redis, le fait de ne pas traiter les inégalités sociales dans notre pays, et notamment de ne pas traiter la situation des classes moyennes et des catégories populaires, ça fait courir de grands dangers à notre démocratie. Un domaine, on a parlé des jeunes, les personnes âgées. C'est un très grand scandale qui naît après cette enquête sur l'état des EHPAD. Absolument scandaleux. Il y a eu en ce moment, aujourd'hui, c'est à Neuilly, territoire de Paris, une enquête express menée dans un EHPAD. Est-ce que vous avez les moyens aussi de commander des enquêtes pour répondre au scandale? Oui, sur Paris, pour les EHPAD publics que nous dirigeons, bien sûr, mais on est très très soucieux, très vigilants. On a un taux d'encadrement, on a un accompagnement dans nos EHPAD publics parisiens, ceux qui sont dirigés et gérés par la ville, qui est exceptionnel. Mais ce que je veux vous dire quand même, ce que révèle cette situation, c'est que la financiarisation quand même, de cette question de la dépendance, de la grande dépendance, du grand âge,
est quelque chose de très problématique. Vous avez des EHPAD, notamment les EHPAD publics, les EHPAD qui font l'objet, bien sûr, d'une régulation. De toute façon, il y a des prix de journée, il y a de l'intervention d'argent public et de règles publiques sur la gestion de nos EHPAD. Encore heureux, parce qu'il s'agit quand même de garantir et la sécurité et le bien-être de nos anciens. Il y a des profiteurs de la vieillesse, dites-vous ? Mais il y a des profiteurs de la vieillesse. Il y a des gens qui se sont embarqués avec des fonds sont intervenus, avec beaucoup aussi de mesures d'optimisation fiscale qui ont été orientées vers ces établissements. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que pour les 20%, je crois, de ces établissements totalement privés à but lucratif, en fait, la situation des pensionnaires, des résidents de ces EHPAD n'est vraiment pas améliorée. C'est-à-dire que ce sont des EHPAD privés dans lesquels les familles payent très cher, bien au-delà des prix de journée qui sont ceux du public, mais qui pour autant n'ont pas le service pour leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rétribution des actionnaires et que c'est ça qui prime, plus que la santé et le bien-être des résidents. Donc, il y a un problème qu'il faut régler. Je le propose dans mon programme parce que, en fait, il y a une très bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle. Nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Plus seul aussi, très souvent. Souvent plus seul. Et donc, la question du grand âge est une question qui est repoussée. Mais cette question du grand âge, elle se pose quand même. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que l'on prenne enfin cette question à bras-le-corps, avec les financements nécessaires, mais aussi en accompagnant la professionnalisation du secteur, en accompagnant la formation, en accompagnant aussi le maintien à domicile. Moi, je propose qu'on aille dans ce sens-là. Et vous savez, Emmanuel Macron avait dit, je crois, en 2019, il avait dit « Nous allons faire la grande loi sociale du quinquennat, ça sera la loi sur la dépendance ». Ben, comme pour tout le reste, il n'y aura pas eu de grande loi sociale du quinquennat. Et ce dossier majeur, mais vraiment majeur, et toutes les familles le savent, parce que toutes les familles sont confrontées à cela, ce dossier majeur a été laissé en jachère par le gouvernement Macron. Je le prendrai, évidemment. Je le prendrai comme un dossier, un sujet sur lequel nous devons d'abord améliorer notre système, prévoir les financements, créer aussi un guichet pour que les familles ne soient pas déboussolées. Quand vous vous retrouvez avec un parent en situation de grande dépendance, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas à qui vous adresser. Et il faut commencer, et ça c'est du service public aussi. Anne Hidalgo, vous savez, on a parlé. Commencer par installer ce service des EHPAD, de l'hôpital.